Charlotte, Manon, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'espace La Goélette à Saint-Souplet. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes là pour accueillir les personnes qui viennent à la Gratiféria. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est la Gratiféria? Oui, bah du coup, la Gratiféria, c'est la Gratiféria. Du coup, ça veut dire la fête du gratuit. Donc, les gens viennent ici librement pour récupérer des dons qui ont été faits la semaine passée par les gens de Saint-Souplet et alentour. D'accord. Et vous avez eu beaucoup de dons, beaucoup de réponses? Oui, oui, on a eu plus d'une vingtaine de personnes qui sont venues donner des gros sacs. Voilà, il y a eu beaucoup de participation, donc ça c'est super sympa. Et c'est la deuxième édition, c'est ça? C'est ça. D'accord. Vous avez l'intention de refaire quelque chose l'année prochaine? Vous avez des projets par rapport à ce type d'événement? Oh, bah oui. Bah oui, tout à fait. Bah, déjà, rendez-vous l'année prochaine pour la même chose, ça c'est sûr. Et puis après, pourquoi pas étendre à d'autres profils, peut-être adultes, peut-être jouer. Enfin, après, on est aussi ouvert aux propositions par rapport à ça. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez recueilli des dons essentiellement pour les vêtements d'enfants. C'est ça, de la naissance à 16 ans. D'accord. Et également les accessoires, c'est ça? Oui, puériculture. Vous avez eu quel type d'objets par rapport à la puériculture? On a eu toutes sortes d'articles. Hein. Ça passe du bonnet au collant à la gigoteuse. Oui, la gigoteuse, la charge de portage. C'est bien ce qu'on apprend en même temps aussi les termes, hein, qu'on ne connaît pas. Des chaussures jusqu'à la pointure 35. Oui, c'est ça. Ouais. Non, il y a eu beaucoup des matelas allongés. Non, il y a eu beaucoup de dons. Et les personnes sont venues aujourd'hui en nombre pour récupérer. Oui. Le stock a bien diminué. C'est ça. D'accord. Mais ça ne finit pas, on est encore ouvert jusqu'à 16h. Ouais, d'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.